Xavier Dupont de Ligonnès retrouvé dans un train? Ces folles images. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants. Depuis les faits survenus en 2011 à Nantes, celui qui est devenu le principal suspect est introuvable. Depuis sa disparition, les rumeurs au sujet du père de famille fusent. Serait-il mort? Aurait-il entamé une nouvelle vie? Récemment, une vidéo de Théo Massel, ancien rédacteur en chef de l'émission Touche pas à mon poste, a relancé les spéculations. Dans celle-ci, il a assuré avoir croisé dans le train reliant Paris à Quimper un homme ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès. Intrigué par cette personne, l'ancien collaborateur de Cyril Hanouna a décidé d'engager la conversation. Théo Massel lui a même parlé de l'affaire et de sa ressemblance avec le suspect, qu'il serait d'ailleurs le premier à soulever. L'individu en question a d'abord affirmé ne pas connaître Xavier Dupont de Ligonnès avant de se reprendre, il a tué ses enfants, sa femme et il a fait une cavale.